Le CRSI, au fil des années, est devenu un carrefour dans lequel on rencontre des personnes investies dans le régalien, intéressées par les fonctions régaliennes, militaires, sécurité intérieure, mais sécurité aussi extérieure, police, qui ont envie de réfléchir et reprendre le chemin de la réflexion stratégique sur les questions de sécurité, parce que c'est des questions qui sont des questions fondamentales. Et c'est un espace important de réflexion et d'échange. Le CRSI est arrivé avec une vraie valeur ajoutée. Thibault Monbrial est avocat, c'est pas tous les avocats qui viennent sur le terrain du régalien des questions de sécurité. C'est plutôt courageux, c'est en même temps indispensable, et c'est bien aussi de rapprocher les points de vue des chercheurs, des policiers, des gendarmes, mais également tous les acteurs de la sécurité, des militaires, des policiers municipaux, pourquoi pas des avocats, des juges. C'est très bien, c'est pas embrassons-nous Folleville, mais c'est en tout cas converger, réfléchir sur les questions de sécurité et ne plus les envisager au coup par coup comme des faits divers ou à travers l'émotionnel ou simplement une réflexion qui s'arrête le lendemain, mais aussi réfléchir au temps long. Je sens qu'on a lentement mais sûrement, vous le voyez, les questions de sécurité, il y a une dégradation sur le front de la sécurité, mais ça dure depuis 20-25 ans. Et c'est pour ça qu'il faut réagir. Il faut réagir parce que tout simplement, la sécurité, c'est le prérequis pour l'exercice des libertés, et il faut le dire. Et les plus défavorisés sont les premiers qui souffrent de l'insécurité.